Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de la dernière île artificielle de Dubaï. Blue Waters Island est située au large de Dubaï Marina. Pour vous y rendre à pied via la passerelle qui relie Jumeirah Beach Residence à l'île, ou en monorail ou en voiture, dans ce cas, à la fin du pont, un parking obligatoire, toute l'île se visite seulement à pied. Blue Water Island accueille des immeubles résidentiels, des commerces, des restaurants, musées et hôtels. Je vous emmène à la découverte de l'île. Suivez-moi. Dubaï bat un record avec sa grande roue inaugurée en octobre dernier, la plus grande et la plus haute roue du monde, installée sur l'île de Blue Waters. Ain Dubaï mesure 250 mètres de haut et peut accueillir jusqu'à 1750 visiteurs en même temps. Elle offre une vue à 360 degrés sur toute la baie pendant sa rotation qui dure 38 minutes. La structure est très complexe et également très lourde. Il a fallu 11 200 tonnes d'acier pour la construire. Pour une rotation à bord d'une cabine d'observation, il faut compter 130 dirhams, soit environ 30 euros pour les plus de 12 ans. Et 100 dirhams, environ 25 euros pour les 3 à 12 ans. Profitez d'une jolie balade avec une vue incroyable sur Dubaï. Boire un verre, manger dans un restaurant des plus connus ou simplement se balader, Blue Waters Island est l'endroit à ne pas manquer à Dubaï. Nous nous laissons séduire par la visite du célèbre musée de cire, Madame Tussauds. C'est parti! Avec les enfants, nous allons à la rencontre de nos stars préférées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, si vous voulez découvrir les Émirats. À bientôt! Nous finirons en musique avec nos vannes.